Dans le spirituel, on fonctionne avec les éléments. Et vous devez connaître les éléments spirituels. Il y a l'odeur. Ok? C'est ça, quand on fait des sacrifices au village, on brûle. Quand la fumée est en train de monter, tu médites. Il y a les encens que vous brûlez aussi chez vous. Donc j'ai une nouvelle gamme d'encens naturels. Vous pourrez les avoir dès lundi dans tous mes locaux. À Abidjan, déjà, c'est disponible aujourd'hui. Prenez ça, ayez l'habitude de vous lever le matin, vous brûlez l'encens dans la maison. Ça met déjà le ton de l'atmosphère. Deuxième chose, le bain de fumée, fumigation. Vous prenez les encens, vous mettez dans le charbon, vous prenez un drap, vous vous couvrez avec, dans cette fumée-là. Ça enlève ce qui vous... Il y a des énergies, souvent c'est dans ton corps, tu ne comprends pas. Il y a parfois, vous avez des trucs dans la gorge. Vous inspirez la fumée là. Ça va vous faire tousser. Il y a la glaire qui va sortir. Donc, demandez les encens de fumigation quand vous venez demander, quand vous demandez les produits chez moi. Il y a ce qu'on brûle à la maison, il y a pour la fumigation. Il y a les encens pour que la maison sente bon juste. Ça attire, là, c'est pour attirer l'argent. Donc, l'autre élément que vous devez engager, c'est les huiles. Les huiles, c'est tout un art dans la spiritualité. Donc, il y a des huiles parfumées que j'ai mijotées dans des herbes. Ça, par exemple, il y a du romarin dessus. Il y a... Les herbes sont au fond. Donc, demandez ces huiles-là. Quand tu prends cette huile, bon, c'est des huiles sur lesquelles j'ai beaucoup médité aussi, tu es loin sur ton corps, même l'huile mille faveurs. Le visage. Il y a des foulards dans mes locaux. Il y en a ici, vous avez des onctions de prêtresse et de prêtre. Mais vous ne vous mettez pas dans des conditions. L'odeur, l'huile, la fumigation par exemple, ça permet d'enlever s'il y avait des trucs qui te bloquaient ou qui bloquaient tes dents. Il y a le parfum Mont-Saint-Michel. J'en ai que j'ai préparé. J'ai mis des herbes dedans et j'ai béni. C'est dans mes locaux. Quand vous arrivez, demandez. Je ne cache pas le nom. Vous pouvez acheter, vous faites pour vous-même. Mais j'en ai dans mes locaux. Vous prenez ça. Là, c'est les outils que tu as à la maison. Le jour où tu jeûnes, quand tu fais ton bain de pipi, quand tu finis et que tu t'habilles, tu mets tes bougies. J'arrive sur l'étape des bougies. Vous voyez que le mont, ceux qui sont dans mes trucs, c'est noir comme ça. Tu prends le mont Saint-Michel. Tu te parfumes. En faisant le bain de pipi, tu mets un peu, en mettre un peu dans ton. Tu mets un peu dans ton pipi pour te laver. Donc je rappelle que tout ceci suit le bain de pipi qui a été fait le matin. Ceux qui sont dans mon ministère ont jeûne. Lavez vos selles tous les jours, matin et soir. C'est dans ma bio. Le numéro, si vous voulez acheter les produits, c'est le 237-693-50-22-66. Je ne vous contacterai jamais. Il y a des arnaqueurs qui vont mettre ma photo sur leur profil et vont vous contacter. Ce n'est pas moi. Donc, 237-693-50-22-66. Bain de pipi. Tu te lèves entre 4h et 5h. Tu prends ton premier pipi. Tu pisses toi-même dans une boîte. Tu mets le sel dessus. Le sel arc-en-ciel, c'est le meilleur. Je vends le sel arc-en-ciel. Tu mets ton parfum dessus. Tu lis le psaume 35. Ne dilue pas le pipi. Parce qu'après, tu vas te laver avant de sortir. Tu frottes sur ton corps. Tu frottes. Tu parles. C'est à n'importe quoi qui me bloque. C'est à mes dons qui sont bloqués. Comme tu parles là, après ce qui sera versé dans ta douche, tu verses l'eau dessus, ça part. Après, tu fais ta prière. Tu fais ta prière. Ok? Quand tu finis la prière, il y a l'encens que tu as déjà brûlé. Tu prends l'huile. Tu prends l'huile.
Laura a bien dit, avant de faire le bain de pipi, tu ne parles à personne. Merci, Laura. Ton nuit, tu prends, tu oins tes pieds, que ton chemin soit ouvert. Et l'habitude de beaucoup, vous oindre les extrémités, mains, visage, pieds, avec les huiles et vous parler. L'huile facilite. L'huile, c'est une notion de facilitation. Comme je oins mes mains là, que je ne manque pas d'argent aujourd'hui. Comme je oins mes pieds, que mon chemin soit ouvert. Tout en haut, je vais partir aujourd'hui. Que ce que je demande, on me donne. Que je ne manque pas. Il fait froid en Europe. S'il fait froid, est-ce que tu te laves au pipi, c'est mon corps que tu laves, mamie. Ah, on te dit qu'il fait froid en Europe. Ne te lave pas alors, comme ton pipi est glacé. Hein, mamie, il y a le frigo dans ton ventre. On peut faire le bain de pipi même si on téléphone à quelqu'un. Tu téléphones à quelqu'un à 4 heures encore pour faire quoi? Cafouille, pardon, quitte mon direct. Quitte. Tu as compris? Je vous donne les instructions. Tu veux faire, tu fais, tu pas faire, tu laisses. Est-ce que c'est mon corps? Quand tu obtiens ton argent là-bas, tu m'as donné 50 euros, tu dis qu'on t'a donné 50 000 euros. Pardon, il faut me laisser. On t'a discuté que wow. Bon. Dernière étape que tu dois faire, tu peux mettre le sel autour de ton lit. Tu prends le sel, tu verses autour de ton lit. Ceux qui ont le sel maison hantée que je vends là, vous versez autour de votre lit. Ce que tu peux aussi faire avant de te recoucher, ou même la nuit, avant de dormir à 20h, 21h, tu prends la bougie. Il y a les bougies dans mes locaux. Je vous ai expliqué les couleurs de bougies. Quand vous me suivez de temps en temps, je vous enseigne sur toutes ces choses. Dans mes locaux, Abidjan, Cameroun, on vend les bougies de couleur. Prenez les couleurs de bougies. Tu peux prendre deux bougies blanches. Ton lit est comme ça. Tu peux mettre dans les coins de ton lit. Ok? Tu prends les bougies. Je rappelle que ça, ce sont des portails spirituels que vous ouvrez. Avec les bougies, tu peux détruire des entités, des malédictions sur toi. Voilà. J'ai bien dit non, j'ai bien dit. J'ai dit que je vends, mais toi aussi tu peux acheter ta part, tu fais. Le Saint-Michel, voilà ça. Je donne les instructions, c'est pas tout le monde qui va venir acheter mes produits. Il y en a qui vont écouter, ils vont aller faire, ça va augmenter ce qu'ils font, c'est tout. Voilà. Ce sont mes gens qui vont venir prendre les choses chez moi, c'est tout. Donc je continue, tu prends ta bougie. Même les bougies, c'est là. Tu peux prendre la bougie chez moi ou tu peux aller prendre ta bougie sans fond au quartier. Donc je continue. La bougie, quand tu l'allumes, l'instant-ci, regardez bien, tu mets les intentions. Vous qui m'écoutez, je m'accorde avec vous pour toute prière que vous allez demander. Je détruis tout blocage, tout mauvais esprit dans votre chambre, par exemple. C'est ce que tu dis peut-être, ok? Tout mauvais esprit dans ta chambre, tout ce qui te bloquait, toute entité négative. Dans mes locaux, on vend la bougie noire. La bougie noire aide contre, c'est la magie noire qu'on a fait contre toi. C'est les choses négatives qu'on a faites contre toi. Donc tu peux aller dans cet ordre. Tu mets d'abord la bougie noire. Tac. Tu détruis toute incantation faite contre toi. Après tu prends la bougie blanche. Tu enlèves toute énergie négative qui a été mise, voilà. Bougie bleue, tu appelles ta prospérité. Bougie verte, prospérité, paix. En fonction des bougies que tu as. Tu déposes. Pendant que ça brûle, tu médites. Tu médites. Ok? Juste une astuce, quand vous allumez une bougie, j'ai deux bougies ici, non? Pour mettre celle-ci à terre, je brûle juste son bas, comme ça, et je dépose. Généralement, on est toujours tenté de pencher la bougie comme ça, au sol. Parfois, on est obligé, on fait comme si on veut pencher. Tu brûles sur le bas de la bougie, tu déposes au sol. Bon. Quand tu déposes, quand c'est en train de brûler, tu observes la façon dont la bougie brûle. Tu observes.